Salut à tous, c'est Indeday, on se retrouve sur Space Cow, donc c'est un jeu complètement déjanté, à base de prout. Voilà, vous l'entendez en ce moment même, à base de prout. Et puis en gros, pour faire simple, ça me fait un peu rire, mais pour faire simple, c'est un mec qui vient dans l'espace. Alors il y a une petite histoire, mais qui est complètement déjantée. Et en gros, le mec est dans l'espace et bah, vous allez voir par vous-même, donc on va prendre le menu classique, vous allez voir, c'est tout très simple. On va prendre le premier niveau, j'ai même pas encore réussi à le passer. Hein. Donc je me retrouve un peu dans l'espace, donc on va zapper un peu la partie histoire, on s'en fout un petit peu. Mais en gros, voilà, pour faire simple, le but c'est un espèce de jeu de plateforme un peu déjanté, enfin vous allez voir en gros, c'est un peu déjanté, hein, je vais pas vous mentir. Et en gros, je suis un mec de l'espace qui doit essayer de s'enfuir un petit peu. Alors, ah, vous voyez, je peux passer à travers les lasers quand je pète. Parce que ça va super vite, j'en reviens pas, je dis des choses comme ça sur la chaîne. Mais c'est pas grave, le jeu est complètement déjanté. Donc j'ai plusieurs pouvoirs, hein, pour faire simple, je vais vous expliquer après. Là, en gros, je suis un mec de l'espace qui doit aller au bout du niveau, pour faire simple. Et je suis quelqu'un qui boit beaucoup de lait, voilà. D'après le personnage, il boit que du lait et en fait, il court après le lait, pour faire simple, voilà. Pour faire assez simple, c'est ça. En gros, donc je peux me déplacer comme je l'entends. Il y a une espèce comme de gravité, vous voyez, hein, quand même. Je peux péter pour traverser, vous voyez, par exemple, des rayons laser comme ça, ou simplement pour me faire aller plus vite. Je peux lancer des ventouses de toilette, hein, pour attaquer mes ennemis. La ventouse revient toujours vers moi. Je peux ralentir le temps, ça peut être très utile. Et je crois que c'est à peu près tous les pouvoirs que j'ai. Vous allez voir, le jeu est complètement déjanté. J'ai coupé la musique parce que le son du jeu n'est pas réglable. Soit vous mettez, soit vous retirez. Et la musique est extrêmement forte, donc j'en suis désolé. Mais je mettrai une petite musique en fond. Alors, je sais pas encore ce que j'ai trouvé, mais je mettrai une petite musique en fond pour, bah, pour essayer de combler ce manque. Donc je descends. Tranquillou. Oulala, ok, tout va bien. Là, je vais essayer. Alors hop, vous voyez, là je vais essayer de hop esquiver, esquiver, esquiver. Oh, j'étais touché, j'étais touché. Attention par contre, parce que vous voyez, j'ai que 3 points de vie, hein, donc le jeu ne pardonne pas, il est assez punitif mine de rien. Donc voilà. Oh là là, des ennemis, des ennemis. Tout va bien pour l'instant, tout va bien. Alors vous voyez, j'ai la possibilité de faire des ralentis. Donc la barre de ralenti se complète avec le temps. Il n'y a pas besoin de récupérer quoi que ce soit, c'est avec le temps, voilà, tout simplement. Donc là je sens que je vais être sur les ennemis, pour l'instant on va se faire plaisir. Tac, 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 pour l'instant tout va bien. Ouais, ok, là ça commence à devenir tendu. Voilà, tout va bien. On s'en sort. Alors, il est possible de jouer aussi bien à la manette qu'au clavier, pour ceux que ça intéresse. Moi je joue au clavier parce que je suis beaucoup plus. Je suis un PCiste, hein, dans l'âme, donc je suis beaucoup plus clavier que manette, hein, pour faire ça. Tout va bien. Pour l'instant tout est cool. Alors normalement je vais faire un jeu, sincèrement je vais pas faire cette vidéo là, mais le jeu m'a vraiment fait marrer, m'a beaucoup amusé, donc j'ai pas de raison de pas tourner dessus. En mode rage, vous voyez, je suis la base des gars, je ne peux pas prendre de... Vous voyez, en mode rage, la barre se remplit. Je peux pas prendre de dégâts, et je peux, mes dégâts sont doublés. C'est assez badass, quand même, pour faire simple. Hop, 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 voilà, tout va bien, on arrive à les gérer. À coup de ventouse, voilà, mon arme de prédilection, c'est la ventouse. Donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Je sais pas si ça va passer contre un big boss, j'en sais rien, mais on va tester, on verra bien. Donc je faut aussi que j'utilise de prout, ça fait bizarre de dire ça, mais faut vraiment que j'utilise. Parce que... Voilà. Et vous entendez le bruit quand je suis un ennemi, ça fait un bruit de trottes qui tombe dans l'eau. Ça fait un plouf. C'est complètement what the fuck comme jeu. Alors je suis un peu immature et tout, mais ça m'a beaucoup fait marrer, donc voilà, je voulais le présenter quand même. Tout va bien, tout va bien. Hop, je remonte. Voilà. Tac, je passe par là. Pour l'instant ça va, on n'a pas pris trop cher, on a encore tous nos points de vie, tout va bien. Je remonte par là pour récupérer le lait. Oui, c'est à base de lait, hein. Je sais pas trop pourquoi, me demandez pas, c'est un délire je pense des développeurs. Le jeu est traduit en français par contre, assez rare, mais oh, j'ai pris cher. Voilà, donc le seul moyen de les battre, eux, pour faire simple, le seul moyen de les battre, c'est de... Voilà, on pète pour aller plus vite. Le seul moyen de les battre, c'est de renvoyer leurs missiles sur eux. Ah, vous allez voir aussi, il y a une espèce de mini-jeu avec les vaches, c'est assez marrant. Ouais, je vous ai dit, le jeu est complètement déjanté, donc je peux attraper la vache et hop, l'acheter là-dedans. Oh yeah. Et là, je me retrouve dans un mini-jeu complètement what the fuck, vous allez voir. Voilà, c'est à moi de presser
la vache et pour la mettre. Hop, 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 hop. Je suis super vite, là, je suis dedans, là. Là, je suis dedans, là. Oh là là, oh, laissez tomber, là, je suis parti, là. Faut vraiment que je mette, voyez, le lait dans le... dans l'espèce de parabole qu'il y a. Voilà, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, je... Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, tout simplement. Hop, 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 pour l'instant, pas une seule erreur. Alors, c'est clic gauche, clic droit. Ah, j'ai fait une erreur. Clic droit pour aller à droite, clic gauche pour aller à gauche. Donc, j'ai fait 101 sur 100, donc tout va bien. J'ai quand même bien géré. On retourne là, ça me donne un peu de lait, voilà. Ça donne du coup, quand je bois plein de lait, en fait, c'est un peu comme Mario. Quand je prends plein de champignons, bah, ça me fait des points de vie. Là, c'est pareil avec le lait, en fait, pour faire simple. Donc, je remonte ici. Tac, je pète pour aller plus vite. Je pense qu'il doit avoir un sacré transit quand même pour péter autant, le mec. Ça va être compliqué pour lui, je pense, à vivre. Oh, tiens, sympa, par contre, ça se... Ok. Ok, donc l'écran se retourne quand même. C'est de ralentir le temps. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, tout va bien. On récupère le lait. Oula, c'est un gros prout, il faut que je fasse là. Allez, hop. Oh, j'ai pris cher, j'ai dû faire de prout. Je pensais pouvoir tout traverser, mais non. Tac, tac, et tac. Voilà, tout va bien. Le jeu, voilà, le jeu a pas vraiment, vraiment un impact incroyable, mais il fait quand même marrer. Donc, voilà, j'avais envie de présenter quand même. Il n'y a pas un gameplay incroyable, mais je trouve ça quand même dingue que des développeurs soient dit, allez, on fait un jeu où là-bas, ça va être des proutes et du lait. Des fois, comme quoi, dans les jeux indés, hein, tout peut arriver. Tac. Pour l'instant, tout va bien, je gère. Ok. Oula, j'essaie de tout renvoyer. Ok, tout va bien. Oh, j'ai géré là, j'ai géré de ouf. Vas-y, vas-y, tire, 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 tire. Oh, je te contre. Voilà. Ouh, il y a plein d'élages. Tac, tac. Voilà, tout va bien. Oh, oh mince, j'ai pris cher par contre. Je me suis fait... Bon, c'est pas, je me suis fait avoir. Oula, je le sens pas là, c'est-à-dire. Tout va bien, tout va bien. Un coup de ventouse, j'arrive à défoncer les aliens à coup de ventouse. Voilà. Du coup, je vais faire un rage. Et là, vous voyez. Tac, je prends rien. Et c'est histoire de profiter du mode rage, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment besoin d'un truc particulier. Stage intelligemment comme ça, voyons. Oh là, la mitraillette. La mitraillette à ventouse. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, ramène-toi, t'attends, bouge. Tout va bien. Voilà. Eh, mine de rien, je commence à gérer le jeu là. Après, c'est certes le premier niveau, mais quand même. Oh là là, par contre, c'est chaud là. Mode rage activé là. Plus le temps. Là, c'est complètement abusé. Ok, super. Voilà, dans les coins ça fait mal par contre, hein. Dans les coins les trucs là ils font quand même assez mal. C'est surtout les espèces de boules avec leur protection et leur bouclier, c'est pas évident. Alors hop, je vais remonter là. Ok, oh là, je t'explose. Tout va bien. C'est bon, ça passe. Là, ça passe, bon, tout va bien. J'ai aussi un moyen de ralentir le temps, mais je m'en sers pas beaucoup. C'est clair que je devrais peut-être m'en servir un peu plus. Ah non, j'ai pas refaire le mini-jeu avec la vache. Non, c'est bon, je fais pas mini-jeu. Ça me donnerait, normalement c'est censé me donner des vies, mais là j'en ai pas besoin non plus. Ah, j'ai pris trop de temps. Voilà, hop là, entre les deux. Oh, j'ai pas prévu que ça bouge. Qu'est-ce qu'il fait ce truc là? Je vais me planquer là, hein, comment? Oh non. Mais je prends trop cher, pour rien en plus. Pas là, les gars, j'attends, c'est pas le niveau, hein. Je me dis, finalement, alors que j'étais en mode, oh c'est bon, j'ai le temps, pas besoin d'aller voir la vache, mais finalement j'aurais peut-être dû... Quoi. Le jeu est dur, hein. Sincèrement le jeu est assez dur mine de rien. On croirait pas comme ça, mais le jeu était assez trash. Milk it. Milk it good. Ok, super, super, tout va bien pour l'instant. En fait, je stresse que j'ai pas une mortalité. Oh, j'étais touché, j'ai une vie là, il me reste plus qu'une vie. Non, laissez-moi tranquille. Ok, j'utilise un ralenti, c'est pour ça que j'utilise. Oh là 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 là, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi. Allez, vite, 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 vite.
Je stresse. Des malades. Hop, 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 hop. C'est bon, tout va bien, tout va bien. C'est partout à la fois. Oh là là là, mais c'est pas possible. Non mais ils sont beaucoup trop nombreux là, c'est ridicule. Oh là là, vite, 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 vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Non. Non, j'ai été touché. On est vraiment pas désolé. Bon bah écoutez, et là du coup, j'espère au moins avoir un... Peut-être un checkpoint quand même. I must plunge into the unknown. Ouais, j'ai un checkpoint. Bon, ça va. Ah, c'est l'espèce de truc avec les niveaux là. Avec les lasers. Ok. On repart un petit peu en arrière. C'est pas hyper évident, mais on va s'en sortir quand même. Vous en faites pas. Okay. Faut pas se faire avoir par les lasers là. Voilà. On va pas se faire avoir par les lasers. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, à chaque fois, mais comment tu veux faire deux proutes? Ah, faut t'arrêter au milieu, je pense. D'accord, faut s'arrêter au milieu. J'aurais jamais cru sortir la phrase comment faire deux proutes sur ma chaîne, quand même. C'est assez incroyable ce qui se passe pour cette vidéo-là. C'est assez incroyable, mais c'est pas grave. Enfin, je pense que je vais en prendre un coup dans ma crédibilité, mais c'est pas grave. Quand même, alors, pourquoi pas. C'est pour vraiment montrer que dans les jeux indés, il y a des jeux complètement déjantés. Okay, tout va bien. Je m'en sors bien. Ouh, super, j'ai envoyé les deux, là, tout va bien. Eh, je conserve pas mal d'HP, hein. Enfin, pas mal de points de vie. Oh yeah. C'est contré. Par contre, il me reste déjà plus de 2 HP. Ouais, c'est chaud. Le jeu est punitif, hein. Franchement, très très punitif. Vas-y, tiens-moi dessus. C'est bon, je te renvoie, je me planque. Voilà, comme ça je suis couvert. Récupère un petit peu. Non, voilà, reviens. J'ai mode rage qu'il faut que j'utilise aussi, mais j'utilise pas beaucoup. Ok, donc là je sais qu'ils vont débarquer. Un peu partout, je le sais. J'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà, super, bah ça passe. Surtout ne pas rester près des... Voilà, ne pas rester près des murs parce que sinon tu vas l'avoir. Oh là, c'est abusé. Je sais pas si t'as entendu le brrr, c'est ma mallette qui vibre à côté, hein, parce que je peux jouer en mallette. Mais je préfère jouer sur le clavier. J'aurais jamais cru me battre avec autant d'ardeur. Voilà. Avec des Ouf, donc ça va être chaud. Là j'ai entendu. Voilà, meurs, 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 ça me plaît. Voilà, super, ça passe. Ça, je prends pas de dégâts. J'aurais jamais cru me battre avec autant d'ardeur sur un jeu où le but ça reste quand même beaucoup de péter et de balancer des ventouses pour toilette. Voilà, je vous le dis, comme quoi hein, la chaîne est descendu bien bas. Ouais. C'est dommage. Ok, tout va bien. Hop, 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 hop. Encore, 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 tout va bien. Ouh, et on a réussi à gérer sans trop de problèmes là. On a encore le mode. Alors oui, on a la vache qui est en haut. Du coup, je vais même pas la prendre. Je vais retenter comme ça. Ah non, la vache elle est là. Non, non, bah je repars. Ouais, je repars, tant pis. Quoi qu'une vie en plus m'aurait bien aidé vu ce qui m'attend en bas, mais c'est pas grave. Voilà, super, je me suis passé à voir. Je pars en mode rage. Oh, qui vient là, je le déglingue. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Reviens, hop là. Je suis roi des proutes. Allez go, come on. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? C'est bon, ça passe là. Tac tac, la mitraillette avant tout. Voilà. Success, moi. Je suis un bonhomme, aujourd'hui je connais tout là, c'est bon. Super. Ça me laisse encore un quatrième. J'ai 4 HP là, ça devrait se faire. Là ils arrivent, ils sont vachement nombreux, faut se méfier du coup. Surtout ne pas oublier que déjà je peux péter, mais surtout j'ai un moyen de ralentir le temps. Hop, les poutres ça aide. Je sais pas ce que je fais sur ce jeu, ne me demandez pas. Me demandez pas pourquoi, mais je sais pas ce que je fais sur ce jeu. Tac 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 tac, tac, c'est bon, tout va bien. Et là je maîtrise, je suis le vrai ninja, le ninja d'avant tout, c'est moi. C'est pas possible. Oh, un boss. Mon drage activé alors pour le boss. Je dégomme. C'était pas un boss. Ah si, c'est un autre. Oh bah j'ai déglingué aussi, tiens.
Oh yeah. Ouais bah voilà, on l'a passé sans tranquille. Congratulations. Ah j'ai fini ce niveau là. Bon bah écoutez, je pense que du coup nous va s'arrêter là pour cet épisode. C'est vraiment une petite présentation, il y aura pas de let's play dessus. C'était histoire de voilà vous le montrer. Le jeu est vraiment marrant, il est pas prise de tête, il est un peu bah complètement même déjanté. Donc voilà, si vraiment vous avez pas envie de vous prendre la tête, il est cool, mais de là à jouer des années, ça m'étonnerait fortement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.